Bonjour tout le monde, bienvenue à Maison Patrimoniale de Granby, saison 1, épisode 9. Donc, on va bien. Puis, on va citer deux autres vidéos avant saison 2. Je sais pas, mais on va voir ça. Hein. Donc, c'est parti. C'était dedans, j'ai oublié de poser celle-là. C'est pas grave. Bon, voici 24 Denison Est. En 1890, Hébert Gidin fonde, avec un de ses frères, entreprise de fabrication de landaus et de meubles en osier. Le HCF Gidin et compagnie. 8 ans plus tard, en même temps qu'il construit un nouveau bâtiment pour loger la fabrique, il apporte des changements majeurs à sa résidence du 24 Denison Est, construit en 1880 par Arlo Miner, son fils. Bon, l'histoire. En 1880, pourtant, rien ne semblait encore acquis pour les premiers habitants de Granby et leurs descendantes. D'ailleurs, leur effectif n'avait pas progressé depuis l'importation municipale. L'industrie, après première poussée dans les années 1860, faisait du surplace depuis longtemps et embauchait plus de main-d'œuvre, ce qui frapperait d'anémie les commerces de la rue principale. Tout permettait alors de croire que Waterloo, qui vivait un véritable âge d'or, tiendra pour toujours le rôle de capitale régionale. Mais contre toute attente, l'adoption par Ottawa de la politique nationale en 1879, instaurant des tarifs élevés sur l'importation de plusieurs produits industriels, allait réveiller l'esprit d'entreprise des investisseurs de Granby et relancer le développement du village. Ici, ce sont le caoutchouc, le tabac, le meuble et la fabrication de sling. Je ne sais pas c'est quoi, mais ça a l'air... Ça, dans la description, le mot sling en lien. Et carrioles qui s'imposeront sur les secteurs clés de la nouvelle économie granbyenne. Parmi les artisans de la relance, il faut souligner la contribution de S.H.C. Maineux, le fondateur de la Granby, Rubber, du manufacturier de cigares, G. Bruce Payne, cigare du Bruce Payne de John Archibald, qui, en 1895, déménage l'Empire Tobacco de Montréal à Granby et de Hébert Gidin, un fabricant de landaus et de meubles en osier, loin s'atténuer avec landaus en osier fabriqué avec. Loin de s'atténuer avec. Ok. Ça, c'est la fin. J'ai terminé cet épisode. Prochain. Donc, allez!